Ah oui, alors ça me fait trop plaisir de vous voir. Qu'est-ce que tu as prévu, des petits affrontements Des affrontements à ceux qui veulent m'affronter sur la scène, donc sur Soul Calibur 6, qui est mon jeu de cœur. Vous avez un processeur d'Intel à gagner, i7, 12e génération. Donc j'espère vraiment qu'il repartira. Parce que si vous ne me battez pas, va bien falloir que je choisisse quelqu'un quand même qui gagne ce processeur. Donc, ça, c'est celui ou celle qui se débrouillera le mieux. Mais tu as vraiment un gros niveau, je me rends pas compte. Moi, je t'ai jamais vu. Alors, ça fait 20 ans que je joue à... Voilà. Elle m'a calmé direct. Non, je participe au tournoi de jeux de combat depuis que j'ai 9 ans. Ok. Et ça fait plus de 20 ans que je participe au tournoi de jeux de combat. Soul Calibur, c'est vraiment ma licence de cœur. Et voilà, ça fait depuis Soul Calibur 1, on est au 6. J'ai vraiment grandi avec cette licence, en fait. J'imagine que vous aussi, vous avez tous une licence de cœur avec laquelle vous avez grandi. Eh ben moi, c'est ce jeu-là. Eh ben, je ne connaissais pas, en tout cas, ton parcours sur le jeu. Bah, j'ai hâte de voir. Je vais lui laisser la clé du stream, j'ai envie de te dire. Bon stream. Oui, merci. Bon futurs affrontements, que le meilleur gagne. Et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, allez, très merci, bien. À tout à l'heure. Alors, les amis. Toi, là, t'es chaud pour monter direct. Alors là... Ok, très bien, mais je vois cet accueil, ça fait plaisir. J'ai jamais joué au jeu. Ah. C'est pas grave, comme on dit, la chance du débutant. Il n'y a pas de chance pour les débutants. Si je gagne alors Tu pourras pas gagner. Alors on peut mettre le son du jeu maintenant, il y aura la bagarre. Alors Soul Calibur 6, c'est vraiment mon jeu de cœur, comme je vous l'ai dit. Et c'est jeu de combat en 3D. Comme Tekken, vous pouvez aller sur les côtés. Alors déjà, il ne faut pas faire de coups dans le vent, je te le dis tout de suite. Vous avez une certaine distance entre les coups des personnages et donc il faut vraiment respecter cette distance-là. Et la petite démonstration, on peut sortir du terrain. On peut sortir du terrain dans Soul Calibur. Ah voilà, le son du jeu, ce sera mieux. Oh, c'était pas mal. Alors, les esquives, c'est très important. N'oublie pas, la croix, c'est pour la garde. Alors je pense que tu le savais pas, t'appuies un peu partout là, t'appuies sur tous les boutons. Vous voyez, à chaque fois on dit c'est les filles qui appuient sur tous les boutons, là je vois. J'ai jamais dit ça. Toi t'as jamais dit ça? Bon, tant mieux. Ah, c'est bon. Il a mis un coup, c'est pas mal. Ah, plusieurs. Ah, ça y est, tu t'enflammes. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il est imprévisible, mais oui, il faut continuer comme ça. Ah, c'est une stratégie, mettre l'adversaire en confiance. Non, c'est la stratégie. Alors là, non, ça marche pas. T'as fait une super. Franchement, je trouve ça bien que tu aies tenté. Là, ça va sur les côtés. Là, j'ai vu que t'as fait l'effort d'aller sur les côtés. N'oublie pas de te protéger avec la croix. Ah, et en plus, tu fais des provocations. Ça se remet tout ici. Et là, le coup dans le vent, la punition avec la super. Mais on peut l'applaudir tout de même parce qu'il s'est très bien débrouillé pour la première fois sur le jeu. C'est cool. Bon, c'est pas toi qui vas repartir avec le processeur Intel, hein, malheureusement. Alors, pour ceux qui me poseraient la question, je joue avec un stick arcade et on me dit souvent « Ouais, mais tu triches ». Non, en fait, maintenant, les jeux sont bien plus simples à la manette, d'ailleurs, parce que vous avez des raccourcis sur les côtés, alors que moi, je dois appuyer sur plusieurs boutons, parfois, pour faire certaines commandes. Mais pourquoi j'aime jouer dessus? C'est parce que c'est votre meilleur ami quand vous allez en tournoi. C'est là que vous pouvez le taper, quand vous avez un peu de rage, quand vous voulez vraiment vous échauffer. Moi, j'ai l'impression d'appuyer vraiment sur les boutons quand j'appuie sur un stick arcade, parce que ça fait bien du bruit. Alors qu'avec une manette, j'ai pas l'impression d'appuyer sur les touches. Voilà. Juste pour expliquer la différence entre stick arcade et manette. Maintenant, il n'y a plus vraiment de différence en termes de level. Avant, il pouvait y avoir des simplifications au stick arcade parce qu'on pouvait faire des piano input. Donc appuyer plusieurs fois sur les mêmes touches en pianotant, comme sur un piano, pour maximiser les chances de réussir un combo. Mais maintenant, les jeux de combat sont tellement simplifiés que finalement, jouer avec un stick arcade, c'est plus aussi intéressant qu'avant en termes de succès, de combo. Maintenant, à la manette ou au stick arcade, c'est tout aussi bien. À vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Et moi, c'est le stick arcade. Donc là, j'ai changé de personnage. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Nier Automata, mais c'est vraiment un de mes jeux préférés. Oh, le petit launcher. Alors attention, oh, ça se protège. Ça esquive sur les côtés.
Ah, la garde baissée, c'est pas bon. Le combo en l'air. Ah, tu t'es baissé sur la deuxième garde, c'est dommage. On s'est bien débrouillé. J'aimerais bien avoir des encouragements. Oh, là-bas, tu as tes fans. Maintenant, il faut assurer les encouragements. Hein. Oh, la garde en bas, c'est très bien joué. Attention à ne pas faire de coups trop verticaux. Les coups verticaux, c'est fait avec triangle. Et les coups horizontaux avec carré. Donc les coups avec carré, c'est ça. Par exemple, ça empêche d'aller sur les côtés. Et les coups verticaux, voilà, comme ça. Les coups verticaux, vous pouvez aller sur les côtés pour les esquiver. Ça met bien sa garde jusqu'au bout. Il ne faut pas rester trop longtemps au sol. Hein. Sinon, vous pouvez vous prendre des coups par terre. Alors, tu t'es baissé sur la chope, c'est bien joué. Je pense que tu as l'instinct qu'il faut hein, pour être un bon joueur de jeu de combat. Et c'est terminé pour lui, mais on peut vraiment le féliciter. Bien joué à toi. Hein. Il y avait de bonnes gardes. Je suis très surprise. Alors, il y a le petit enfant qui veut jouer. Ah, oh, vas-y, viens. Ouais, c'est la nouvelle génération, ça. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut l'aider à monter? C'est si mignon. C'est si choupi. Oh, c'est pas parce que c'est un enfant que je vais être plus gentille. Hein. Ah oui, t'es trop mignon. Ça va? Ah, faut penser à faire des sièges gaming pour les petits enfants. Hein. Là, vous voyez à peine son visage sur le stream. Alors, comment tu t'appelles ? Hugo. Ça va, Hugo ? Oui ? Oh là 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 ! Il y a plein de gens pour t'encourager, Hugo. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu de combat ? Non ? Alors, est-ce que tu sais à quoi tu joues à la maison ? Tu joues à quoi ? T'as des noms en tête ? Tu sais pas? Tu veux pas me parler en fait? Ouais, t'es focus sur le jeu. Je comprends. Alors regarde cet écran. Et là tu vas regarder avec les flèches qui sont là. Tu vas choisir un personnage que tu aimes. T'aimes bien les balours comme ça ou pas? Ouais? Attends. Nightmare non? Tu préfères lequel? Lui? Ou Astaroth? Lequel? Celui-là ? Ok, Hugo. Hein ? Allez, Hugo. Tu as quel âge, Hugo ? 3 ? 3 ans ? On est déjà aussi grand à 3 ans ? Waouh ! 3 ans, je crois que c'est mon plus jeune challenger, hein ? C'est trop bien. Allez. Alors, le bouton le plus important, c'est la croix, c'est là, pour se protéger. Et t'appuies tous les autres boutons pour attaquer, d'accord? Ouais, les coups de pied, c'est bien. Appuie sur les autres boutons. Ouh! Attends, tu m'as fait un coup de ouf, là! Oh, calmez-vous! Hein. Oh! C'est bien, il faut que tu varies les coups aussi. Là, tu as fait les coups verticaux, c'est bien. Ouais, c'est bien, là, tu t'avances vers moi. Très bien. Oh, on fait la plaisir de toi. Ah non, mais lui, il trouve ça normal, hein. Il n'a pas d'expression, il est là en mode non, mais c'est la base, hein, je fais que gagner de base. Allez, on continue, Hugo.
C'est bien, t'as mis ta garde. Très très bien. Allez, maintenant tu attaques. On varie les coups. Ouais. Tu fais quoi maintenant? Tu cours sur moi? Ah, je suis coincée dans le mur. Et donc je sors d'ici. Eh, franchement, tu t'es super bien débrouillée et... Oh! Eh, faut lui apprendre la vie aussi, hein. Eh, j'ai commencé les jeux de combat jeunes aussi. Et mes frères, ils ne laissaient pas gagner, hein. Waouh, le petit combo en l'air. Allez, on se relève. Allez Hugo. C'est bien, tu varies les coups. Très bien, et n'oublie pas les gâchettes sur les côtés. Appuie cette gâchette là. Essaye un peu de mon côté aussi. Ouais, attention. La gâchette là aussi. Les gâchettes, elles sont bien. Wouah, ça fait des super coups. Oh, aïe. Oh, ça mêle des bonnes patates ça. Attends, tu vas où? Ne le regarde pas. Regarde le combat. Ça met sa garde, c'est bien. Ah, on peut l'applaudir. Alors, je sais, c'est pas gentil. Ah. Hugo, tu t'es super bien débrouillé. Elles sont pas tristes comme ça, s'il te plaît. Vous avez un cadeau pour lui? Ah bah là il faut hein, parce que... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, tu gagnes des lots Pokémon. T'aimes bien Pokémon? Oui. Ah bah tiens, c'est pour toi, tu vois, tu repars pas les mains vides. Voilà. Et vous voyez, je suis gentille. Allez Hugo, c'est super impressionnant de venir sur scène à 3 ans seulement. Donc franchement, bravo à Hugo. Et je suis gentille, hein. Croyez pas que je ne le suis pas. Elles sont où les demoiselles? Il n'y a pas de filles. Ça va? Oui. Oui? Comment tu t'appelles? Anaëlle. Anaëlle. Je pense que tu connais un petit peu, vu que tu as choisi ton personnage direct. Mais Ivy, un personnage qui a une épée fouet. Donc elle peut très bien se battre au corps à corps et aussi à distance. C'est vraiment un chouette perso. Très sexy. Et du coup, voilà, c'est parti contre toi, Anaëlle. Tu as donné le meilleur de toi-même. Pour rappel, la croix pour se protéger, carré triangle pour attaquer et casse pour coup de pied. Et on est parti, hein. Surtout le bouton garde hyper important. Alors fais gaffe parce que dans les jeux de combat 3D, vous avez la garde en haut, la garde en bas. Et si vous vous baissez, vous prenez des coups qui touchent au milieu. Et du coup, voilà, par exemple, là, tu avais la garde en bas. Si je touche au milieu, je peux toucher avec un launcher qui vous envoie en l'air et après derrière il y a un combo. Ah, c'est pour ça, voilà, la garde haute, tu peux pas te prendre le combo. C'est ça, faut varier les gardes. Et là, les petits coups en bas, c'est très bien. Et là, faut revenir au milieu du terrain, reviens. Sinon, tu peux sortir du terrain comme je l'ai montré au début du stream. Et là, c'était une chope que tu peux déchoper. T'appuies carré ou triangle pour déchoper. Bravo. Bon mais c'est pas fini. Mais c'est gentil, merci. Allez, on continue. Alors, on revient plutôt au milieu. À chaque fois, le positionnement, c'est hyper important dans les jeux de combat. Il faut revenir au milieu dès qu'on peut. Ou sinon, envoyer l'adversaire le plus dans le coin possible. Allez, on revient au milieu, sinon tu peux sortir. Surtout, mon personnage peut te sortir aussi. Voilà, la garde qui a été lâchée au bout d'un moment. Ah, le coup dans le vent. Du coup, ça va être la super pour terminer ce deuxième round. Il en reste encore un autre. Et là, vous avez la barre de super qui est en haut, au milieu. Il y a écrit un petit numéro maintenant, c'est sur le 2. C'est-à-dire qu'elle a deux barres de super qu'elle peut utiliser. Ça, c'est les combos. Voilà, bien joué le coup en bas.
Ah, il faut varier, parce que si tu fais trois fois le même, à un moment donné, voilà, je vais m'en douter, je vais me blesser. Il faut varier avec des coups qui touchent au milieu. Allez, bonne garde. Voilà, c'est bien, il faut varier justement avec ces coups qui touchent au milieu. Et un petit coup en bas, voilà, c'est bien. Ah, malheureusement, ça ne suffira pas. On peut applaudir Anaëlle tout de même. Bien joué. Ben, merci et bravo. Merci, ben, c'est très gentil. Merci à toi, Anaëlle. Alors, ouais, il y a un eye contact là entre vous trois. Mais faites un pierre-feuille-ciseau. On fait ça aussi dans les jeux de combat. Parce qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer à gauche et des joueurs qui préfèrent jouer à droite. Et des fois, pour déterminer qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite, on fait un pierre-feuille-ciseau, tout simplement. C'est pour ça que j'ai proposé de le faire. S'il y en a trois là qui me regardaient puissamment, là, c'est tes copains qui est à côté de toi ou... Et un pote d'enfance. Ok, bah, en fait, là, tu vas représenter la famille, les copains, le village, la ville, ouais. Le département. Donc... Poitiers aussi. Ah, tu représentes Poitiers. Allez. Est-ce que tu connais un peu Soul Calibur? Pas celui-là. Tu avais joué à des anciens. Alors, tu as qui comme personnage que tu aimes bien? Ezio, mais bon, il n'est pas là. Donc... Ah, Ezio, bah, c'était le 5 auquel tu jouais. Allez. Je vais voir. Alors, Kimik, très bonne portée avec son bâton. Un personnage polyvalent, un des persos principaux du jeu. Est-ce que tu te rappelles des touches? La croix, c'est pour se protéger. Carré, triangle, les attaques avec les armes. Et rond, c'est coup de pied, les gâchettes pour faire des commandes qui ont des combinaisons différentes. Et on est parti. Attention, les coups dans le vent, ça ne marche pas très bien. Ah, oublie pas, t'as un frère à représenter aussi, le pote d'enfance. Et oui, c'est bien joué. La garde jusqu'au bout avec le step sur le côté, la chope, quel talent. Ah, on se calme là. Calmez-vous. Oh, j'ai raté. Ah, ça, c'est une technique aussi. C'est pas mal. Ah, tu peux relâcher. C'est les techniques maison. Ça, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'émotions d'un coup. Des fois, on appuie sur le bouton start. Je connais. Ah, il faut vite se relever parce que sinon, je peux faire des dégâts qui font mal sur le côté. Oh, ça a esquivé. La chope qui passe encore une fois. C'est bien joué. Il a déchopé. Il a puni même. Le petit coup pour interrompre. C'est bien joué. Ah là là, les balayades, les coups qui touchent en bas, ça fait mal. Personnage qui tire à distance, du coup, on joue aussi un peu plus à distance contre lui. Et c'était brouille très bien notre challenger là. Ah, il a fessé. C'est bien, tu vas sur les côtés pour venir un peu plus au milieu. Mais il reste plus beaucoup de vie, attention, pas trop d'erreurs. Alors c'est bien, tout est baissé sur la chope. Dans le jeu 3D, vous pouvez vous baisser pour éviter les projections. Voilà, les coups qui passent horizontaux, la chope déchopée cette fois-ci. Et on peut applaudir notre challenger, c'est très très bien débrouillé. Bravo à toi. Ah bah oui, hein. Je vous dis, j'ai passé 20 ans de ma vie dessus quand même. J'ai choisi de prendre Wong, qui est un perso très très stylé. Et moi, je vais mettre Geralt de Rive, mon gros coup de cœur de Witcher. Est-ce qu'il y a des fans de Witcher? Ah. Bah justement, je vais prendre des gens par là-bas, juste après, d'accord? Parce qu'entre fans de Witcher, ça fait plaisir. Et là, tout le reste, vous avez un jeu à découvrir, absolument. Witcher 3, c'est vraiment un jeu où j'ai passé tout mon été 2015. Allez, c'est parti, du coup. Tu as la croix pour te protéger, la touche en bas, carré, triangle. Oui, c'est les commandes sur PC. Alors, X, Y pour les coups d'épée, et B, c'est coup de pied. Voilà. Et le but, c'est d'alterner entre les attaques, la défense, t'as une garde haute, t'as une garde basse. Et là, ouais, c'était bien joué. Et ça va super loin. T'as un perso qui va vraiment très loin aussi. Donc ça, c'est cool. Et il faut pas rester par terre, voilà, tu vois.
Voilà, là c'est pas mal et puis tu fais de bonnes attaques. Voilà, Gérati, comme dans le jeu, comme dans la série, il y a ses signes aussi. Un signe du feu, Igni. Et mais ça pique un petit peu. Allez, fans de Witcher, merci. Ah, c'est bien le petit coup en bas. Alors, waouh! La garde qui clignote en rouge, c'est-à-dire que tu t'es beaucoup protégé. Et c'est bon signe aussi, ça veut dire qu'au moins toi tu mets ta garde. Et ça, c'est cool. Allez, on revient au milieu du terrain parce que dans les jeux 3D, comme ça, vous pouvez vous prendre des coups contre le mur. Et du coup, ça augmente les combos, ça fait plus de dégâts. Ah, t'as bien déchopé la chope. Donc ça, c'est bien joué. Et là, pour venir au milieu du terrain, tu vois. Oh, attention, non, là, super, ça va pas toucher. Malheureusement, t'avais pas la distance. C'était bien joué tout de même. Et ce coup qui touche vraiment de tout l'écran, quasiment. Et la bonne garde. Et t'es bien protégé. Franchement, super bien protégé. Là, t'es celui qui a mis la meilleure garde hein, jusqu'à présent. Oh, t'as failli placer la chope. Il y a la barre de vie qui clignote en rouge. La garde qui va péter. On peut l'applaudir, vraiment. Très très bonne garde. Pour une première fois sur un jeu de combat, t'as fait cet effort-là de mettre ta garde. Donc vraiment bien joué à toi. Salut, ça va? Avec le t-shirt Vitality en plus. Alors, jamais j'ai joué au jeu du tout. Hein. Oh là là, mais t'avais l'air chaud bouillant là-bas et t'arrives sur place et ouais, je sais pas ce que je fais ici en fait. Bon, on va voir si tu vas avoir un petit peu de chance. Ah, tu prends Geralt? Bah oui. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, au moins ça prend des bons persos que j'aime. Fan de Witcher? Ouais, j'ai regardé beaucoup la série et... Ouais. T'as pas joué au jeu? Non, jamais. Non, vous pouvez pas regarder juste la série. Elle est très bien, surtout la saison 2. Mais alors, il faut jouer au jeu. Il faut absolument. Il faut, bon, il y a une centaine d'heures à mettre dedans, mais ce sera bien rentabilisé. Du coup, tu as ici la touche en bas pour te protéger, hyper importante. XY pour les coups d'épée et B pour coups de pied. Et tu peux aller sur les côtés. Voilà, pour te déplacer et esquiver les coups verticaux. Voilà. Voilà, maintenant il faut bien varier entre les coups horizontaux, coups verticaux. Éviter de faire des coups dans le vide. Et là tu dis pourquoi j'ai fait le show pour venir sur scène? Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh ma merde alors Geralt. c'est pas grave. Moi, il est plus charismatique dans son propre jeu, Geralt de Rive. Ah là, c'était vraiment bien ça. Bonne déchoppe. Ouah, t'as esquivé la chope en haut. Oh, le garde en pâte. Le talent. Hein. Le talent, je vous le dis. Hein. Il faut une commande assez spécifique pour le faire. Ah là, ça va punir. Ça va même terminer ce round avec la super de Talim. Et franchement, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Alors, en tout cas, tu représentes les fans de Witcher. Ah là, là là, ça va faire mal. D'ailleurs, on prend ses distances. Ah, et c'est terminé pour toi. Écoute, bien joué. Et on représente le fan de Witcher. Bon, je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Alors, je vais m'imposer un handicap.
Je vais jouer avec une main. Et il y a toujours ce processeur à gagner. Si vous me battez, je joue à une main. Donc il y a moyen. Hein. Ce serait quand même dommage que je reparte toute seule avec le processeur quand même. Ça va? Tu peux me tutoyer? Alors tutoyez-moi aussi, hein, ça me vieillit sinon. Je te le tiens. Ok. Ok. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Myriam et vous? Myriam. Tu peux me tutoyer? Et toi? Ah, ça m'a vieilli de 5 ans d'un coup. Écoutez, je viens de passer la trentaine il n'y a pas si longtemps. Donc, donc tu peux me tutoyer. Bah, du coup, je vais jouer à une main. Du coup, vous n'allez pas avoir beaucoup de coups, hein, parce que forcément, si j'ai les directions en moins, je ne vais pas faire des merveilles. Il n'y aura plus de combos. Par contre, je peux me déplacer en... quand même, parce que j'utilise toujours la même main. Mais voilà, ça fait que je ne peux pas me protéger en même temps. N'oublie pas, tu as... Ah, j'ai déchopé. C'est chaud et marron. Oh. Attends, j'ai une attaque suprême. Non. Ah ah. Je suis dead. Alors, je vais essayer de faire des trucs, alors. Hein. C'est pas possible, je vais pas me perdre comme ça. Ah, on va bien jouer. T'appuies ce bouton-là pour te protéger. Eh, c'est chaud, hein, une main. Tu vas vers l'avant, c'est tout. Voilà. Oh là. Je la sens bien plus agressive dans son jeu. Ah, de bonnes attaques. Ouh, ça va être chaud. Ah, j'ai trouvé une technique pour faire des directions et faire mes coups en même temps. Oh, ça fait mal le combo. Bien joué, ça. Ah, ça va être la punition directe avec la super. C'est dommage, ça a loupé. Ah, c'est dommage. On peut l'applaudir tout de même, Myriam. Bien joué. Bonjour. Bonjour à toi. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Meliodas. Seven Deadly Sins. Ouais. Okay. Y en a qui regardent Seven Deadly Sins? Il y a des fans d'animé quand même. Alors. Juste les touches de base. Alors, les touches de base, ça, c'est la croix pour se protéger. Carré, triangle, c'est les coups d'épée. Enfin, je parle en façon PlayStation, mais c'est X, Y, ouais. Voilà. Et B, c'est pour coup de pied. Ok. Du coup, là, je choisis un perso, c'est ça? Et là, tu choisis un perso, tout à lui, fait. Il a l'air bien, lui. Ah, lui, il a l'air pas mal, ouais. Putain. Il est costaud, lui. Hein. Alors là, les gens qui savent pas jouer, qui prennent Nightmare, ça fait mal aussi. Parce que ça peut aller très vite en termes de dégâts. Le perso envoie du lourd. Donc Meliodas, joue à une main. Okay. On va voir si ça va faire quelque chose. Ah, les coups en bas, c'est bien joué ça. Ça met sa garde et tout. Ouh, ça fait des explosions et tout. Alors ça, c'est très bien ce que tu fais. Ah, ça envoie contre le mur. Ah, t'aurais pu faire un plus gros combo encore.
Oh, le garde impact, c'est bien joué. Alors là, c'est chaud au niveau distance pour moi parce que je peux pas trop m'avancer. Et franchement, il y avait de bonnes phases. Hein. Dans Nightmare, il en voit bien. Alors, ce coup, oh, alors les coups en bas, c'est une très bonne tactique hein, puisque c'est dur pour moi de me protéger en bas. Ouh ouh. Oh, ça fait mal! On se calme! Oh mon dieu! Ah, j'ai peur! Je sais pas ce que tu vas faire en plus! Il est complètement imprévisible, Meliodas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah là, je peux te terminer. Je peux, peut-être. Ah, ça va être chaud. Oh, mais pourquoi t'as retiré ta garde? Il y avait aucune raison que tu te prennes ça! Ah bah, tu m'as regardé faire l'animation? Là, c'était tendu, hein, pourtant. J'ai... Ah, Meliodas, je pense qu'on peut l'encourager, Meliodas, parce que là, il était à deux doigts. Bah alors, Meliodas, ça fait plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, un peu plus de frénésie. Ah, je suis contre le mur, je suis bloqué. Ah, là, c'est le moment d'en profiter. Ah, ça m'a bien, c'est la garde. Hein. Et prudent, hein, Meliodas. Ah, les coups en bas, c'est bien joué. Ah, et voilà, j'ai pu le punir. On peut l'applaudir. Bon Nightmare. Bien joué à toi. Merci. Il y a toujours ce processeur à gagner. Et vous n'arrivez pas à me battre à une main? Est-ce qu'on va réduire à un round? Hey, j'ai failli perdre le round en plus. Hein. Ça va? Ça va et toi? Très bien. T'as déjà joué un peu? Pas du tout. Pas du tout. Tekken. Bah, t'as des bases un peu de Tekken? Ouais. Bah, au moins tu connais un peu les jeux de combat. Ouais. Donc ça c'est cool parce que c'est un jeu 3D aussi. C'est d'ailleurs Bandai Namco qui le fait. C'est le même éditeur que Tekken. Et tu as quand même ton perso fétiche, Yoshimitsu, qui est aussi dans Tekken. Donc voilà, on est parti. C'est peut-être toi qui vas gagner le processeur. On verra. Ah bah au moins tu as des bases de jeux de combat. Ouais, bah oui. Yoshimitsu, et on est dans le même terrain que tout à l'heure, donc c'est un terrain fermé, on peut pas sortir, mais par contre on a le mur. Et le mur, on peut se prendre des combos contre le mur, ça fait plus mal. Et Yoshimitsu est excellent justement, combo contre le mur. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, il s'est bien baissé sur ce coup-là. Ah, le combo à l'art levé qui va faire un petit peu mal. Oh, j'ai raté le combo. Et là, ça touche en counter parce que tu mets pas assez la garde. Justement, tu attaques à des timings où moi, j'ai l'avantage. Bah, quand les coups ils touchent en rouge, ça veut dire que vous l'êtes pris en counter. C'est-à-dire qu'on l'a fait en même temps, mais que moi, j'ai l'avantage sur les propriétés de ce coup. Donc faut faire attention à temporiser, à mettre la garde de plus en plus pour justement essayer de toucher sans que ça touche en counter comme ça. J'ai fait que toucher en counter depuis tout à l'heure, tu vois. Et ça, c'est des rythmes hein, de certains joueurs aussi. Des fois, on sait pas quand attaquer. À chaque fois, on attaque en même temps. Ah, tu es le premier perfect que je mets, je crois. Ah. Ah, j'avais réussi à déchoper. Encore une fois en counter. C'est vraiment des questions de rythme. Hein. Des fois, il faut plus temporiser. Oh, alors là, c'est une chope. Yoshimitsu, il se fait des chopes des fois où il perd de la vie. Et là, malheureusement, ça a perdu de la vie ici. Attention à ne pas faire de coups dans le vent, parce que sinon, je vais mettre une super. Ah, ça a attaqué au mauvais moment. Ouais, dans Tekken, c'est en reculant, on promet sa garde comme Street Fighter, mais là, c'est avec un bouton, c'est la croix. Et là, c'est terminé. Bon jeu à toi, merci beaucoup. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Béchaine. Béchaine?
Shane. Comme le personnage d'Eken. Oh, c'est vrai ? Ouais. Shane. Bon, tu as des bases. N'oublie pas que la garde pour se... Enfin, le bouton garde pour se protéger, c'est celui-là, le A. Et c'est pas comme dans Tekken où il faut reculer pour se protéger. Voilà, c'est surtout la grosse différence hein, par rapport à un jeu comme Tekken. Mais sinon, tu peux aller sur les côtés. T'as X, Y pour les coups d'épée et B pour coups de pied. Et là, on est sur un autre stage. Voilà, plus grand. Et je continue, je vais à une main du coup. Parce qu'il faut toujours faire gagner ce processeur. Les amis, je vais pas rentrer avec quand même, il est là pour vous. Allez, ça met sa garde. Attention au coup en counter. Ah là là, ça va être terminé. Allez, faut temporiser davantage. C'est bien la garde. Oh, c'est bien joué, ça touche en counter, ça fait mal. C'est bien que Yoshimitsu, des fois, on comprend rien de ce qu'il fait. C'est tout à fait normal. Ah, la super que tu as essayé d'utiliser. C'est dommage. La super qui n'a pas touché, malheureusement. Je l'ai interrompu avant. Là, ça met bien sa garde, mais le coup dans le vent, ça va être fatal avec la super derrière. Ah ouais, moi, je vois le moindre coup que vous mettez dans le vent. C'est punition tout de suite. Dans les jeux de combat, il faut vraiment juger les distances de ces persos. Voilà, c'était bien joué. Il faut sortir du coup, hein. Faut pas être dos au mur. Ça a mis sa garde jusqu'au bout. Oh, l'imparable et tout, attention, attention. Qu'est-ce que je vais faire? Ça met sa garde, il faut punir. Ah, t'as pas puni. C'est chaud. Oh, il a mis sa garde. Il reste un pixel de vie. Oh, c'est dommage. Eh, c'était tendu là. Bien joué. Bien joué. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Enchanté. Enchanté de même. Comment tu t'appelles? Je te vois regarder sur Game One. Ah bah merci. Donc, voilà. Trop cool. Bah là, bon. Je suis en vrai. Donc c'est un jeu que je connais bien. Ah. Sur PlayStation 4 ou 5. Donc en 2018, demi-finaliste d'un tournoi. Ah bah tu veux que je joue à demain? Oui. Ok. Mais sur PlayStation, donc je suis pas trop Xbox, mais. Je vais essayer de m'adapter comme on peut. Là, on joue sur PC avec une manette qui, en effet, ressemble aux manettes qu'on peut voir sur Xbox. D'accord. Okay. Mais c'est le même jeu, je te rassure. D'accord, ok, merci. Ok, bah on est parti, en revanche, choix du personnage. C'est parti, alors. Ouais. Et c'était quel tournoi? Hein? C'était à quel tournoi où tu avais participé? C'était un tournoi sur Poitiers en 2018, c'était pas Rassembly Game. C'était un autre tournoi, je ne sais plus lequel, c'était il y a longtemps. Il n'y a eu qu'une seule édition sur Poitiers. Ah bah c'est dommage alors. Bon après il y a eu pandémie, tout ça. Je sais plus le nom ça, exact, donc, mais mon personnage c'est Mitsurugi. Ok, Mitsurugi, bon bah du coup comme tu m'as dit tu connais le jeu et tout. Bah tu veux que je joue à demain? Hein? Tu veux que je joue à demain? Oui. Ok. D'accord. Ouais. Après, sinon je tire. Bah, c'est parti. Allez, pour le 12e adversaire de la journée. Je veux sérieusement. Ah, le coup dans le vent, la punition derrière. Allez, tu représentes Poitiers là. Hein,
Et ça va être un perfect. On m'a dit que tu es sérieux. T'es pas déçu de mon niveau? Ouais, c'est... C'est juste la manette que... Bah oui, c'est la manette, hein. T'es sûr que la manette... Juste la manette, ça fait un triple perfect. Voyez bien, vous allez voir qu'elle est pas simple à battre. Bah, je pense qu'ils l'ont vu aussi. Bien joué. Merci. Bien joué à toi. Attends, t'es venu là pour me virer? Je dirais pas comme ça. Ouais, ouais, fais attention, parce que ça pèse lourd, ça. Je veux pas. Ça pèse très, très lourd. Ça, IRL, non, merci, c'est bon. Non, s'il te plaît, me tape pas. Okay. Kayane, s'il te plaît, me tape pas. Moi, je te tape pas. Merci. Ah, mais moi aussi, je vous aime, bien sûr, bien sûr. Mais moi aussi, je vous aime. Bah, Kayane, elle vous aime plus. Ouais, je vous aime plus, et si je mets des perfects, c'est que je vous aime encore plus. C'est vrai, il était 3 perfects d'affilée, c'est ça? Ouais, bah c'est lui que j'ai préféré. Bon. Ah, tu l'as lavé. Mais bah, c'est mon travail, hein. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors apparemment, on m'a dit que tu avais peut-être encore. Mais j'ai encore ça à faire gagner. Mais j'ai le processeur i7. i7, mais je te laisse, Ah, comment je vais le faire gagner? Oh là là. Oh là 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 là. Comment je vais faire, hein? Parce que là, on n'est plus. Alors là, c'est ta décision, hein. Là, c'est ma décision. Là, c'est ta décision. Mais le poids de la décision te revient, Kayane. Ok. Alors, j'ai une question. Combien de victoires je viens de faire? Donc, vous connaissez tous? Alors, j'avoue, Mister, il a répondu et il m'a affronté. Qui arrive là sur scène? Voilà, il est au taquet, on l'applaudit. Et donc? Et donc, je te remets ceci. Je viens en plus d'être tout juste ambassadrice Intel, donc voilà, ils m'ont donné ce superbe cadeau, processeur i7 12e génération, et ça, c'est pour toi. Franchement, pour jouer, pour streamer, tu vas être au top. Bravo. Je tiens juste à rappeler pour toute la GA que Chocobo me doit un Domac, après... Moi, un McDo? Ah bon? Ah oui, ça règle ses comptes ici. Ouais, moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Eh bien, merci Kayane. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir fait gagner cette Intel i7. Ouais. Parce que bon, 12e génération, c'est pas rien. Ah bah ça, c'est du lourd, hein, clairement. Ça, c'est le genre de processeur que moi, je prends et je le mange le matin, tu vois. Tellement je suis un geek, en fait. Tu vois, oui. J'aime trop ça, les processeurs. Pour les meilleures performances et tout. Exactement. C'est après, ma journée, elle se passe mieux. Merci à toi, Kayane. Merci beaucoup. On peut merci à tous. S'il vous plaît. Merci. C'était Kayane.